Dans les sens ça, nous parlons ouais, ensemble, qui j'en capable faire pour nous augmenter, grosser, bordure, rectangle noir. Juste avant que nous appuyions, nous remarquons, nous faut remarquer que tout ça que nous avons fait là-haut, il est valable pour rectangle, il est valable tout pour un paquet d'autres outils. Nous allons compiler ensemble, nous allons ouais ça. Ça n'a fait là, il est valable pour rectangle, il est valable pour ellipse, il est valable pour ovale, etc., etc. Alors, quand on a fait pour nous agrandir, bordure, rectangle, ça. Première façon, on a fait, un, nous cliquons sur rectangle, pour nous activer. L'on fait activer, pour nous aller en bas de propriété rectangle, jusqu'en bas, côté marqué, outline, white, là. Là. Par défaut, il y a airline. Nous cliquons un petit flèche, ça, là. Et finit, mettez un grosseur quelconque. Voilà. Vous pouvez remarquer bien, bordure, li, a, grandi. Et si monter le pire toujours à 24, mais ça le bail comme point pour me capable arrondir bordure. Nous devons avoir au lieu que 24 pour le gain 30, me retirer 24 ans et venir me taper 30. Baiser enter. Automatiquement, il devient pigou. Deuxième façon qu'a fait, qui ça? Me cliquer sur le rectangle pour m'activer et puis me venir en bas d'outil jusqu'en bas côté marqué outline tout là. Je clique dans petit flèche ça là, petit flèche qui est dans le coin inférieur droit là. Je clique là-dedans et puis je choisis une grosseur pour rectangle moyen. Voilà, c'est presque même étape qui aboutit à presque même résultat. Allez, sous machine pour là, essayez agrandir ou bien réduire bordure rectangle moyen, ou à dire comment ça t'est.